Notre histoire commence, il y a environ 100 000 ans, avec la présence de petits groupes d'hommes de Néandertal éparpillés dans toute l'Europe. C'était un genre d'hommes différent, mais il disparut lors de l'arrivée de populations de Cro-Magnons, nos ancêtres directs. Les hommes de Cro-Magnon chassaient les rennes et les bisons, vivaient dans des huttes rondes qu'ils protégeaient par des palissades, et bien que primitifs, ils ont laissé des décorations de grottes qui nous émerveillent encore. Elles sont reconnues comme les premiers chefs-d'œuvre au monde. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les hommes se sédentarisent et, se réunissant en petits villages composés de maisons de bois, ils commencent à développer l'agriculture, l'élevage, la céramique et la culture du lin pour en faire des tissus. Suivant le culte des astres, ils construisent d'énormes temples mégalithiques pour calculer les cycles de la nature. Ce n'est qu'au début de l'âge du bronze que se forment les premiers grands peuples européens, dont les plus puissants sont les Ibères, les Ligures et les Daces. Un millénaire plus tard, d'autres peuples deviennent tout aussi importants. Ce sont les Étrusques, les Grecs, les Carthaginois, les Germains, les Bretons et les Celtes. Les Celtes, peuple indo-européen provenant d'au-delà du Danube, avaient la renommée d'être riches et courageux. Les sépultures de leurs rois témoignent d'un art très raffiné et leur culte, prêché par les druides, était celui de la transmigration de l'âme. Une sorte d'équilibre régnait alors entre les frontières, mais il se troubla au début de l'âge du fer. Pour coloniser la Méditerranée, des marins grecs avaient envahi les côtes italiques et ibériques. D'autres Grecs, les Phocéens, débarquaient aux bouches du Rhône pour y fonder plusieurs cités, dont Massilia, qui devint la Marseille actuelle. Devant cette invasion, les Ibères, les Celtes et surtout les Ligures qui contrôlaient le territoire attaquèrent les Phocéens, mais Massilia était puissante. Elle écrase les Ligures et leur enlève une citadelle qu'elle appellera Nice, comme la déesse grecque de la victoire. En Europe, entre-temps, les invasions continuaient. Les Carthaginois avaient annexé les terres des Ibères, tandis que les Germains, à la recherche d'un climat plus tempéré, avait envahi en masse les terres des Celtes. Et ce fut le chaos. La poussée des Germains fut si rude que certains peuples celtes s'enfuirent sur les terres des Bretons. D'autres furent repoussés vers la péninsule ibérique, vers les terres des Étrusques, le Danube, ou encore en Gaule, où ils seront appelés Gaulois. Les Celtes gaulois, une centaine de peuples souvent en conflit entre eux, avaient comme forteresse les Oppidas. Grâce à leur formidable cavalerie guerrière, ils faisaient des incursions et les Gaulois Sénons ravagèrent même Rome, à cette époque une modeste citadelle.
cela donna probablement un tournant à l'histoire, car Rome, saccagée, voulut se venger. Elle forma alors une redoutable armée, écrasa les Étrusques, annexa la péninsule italique et envahit les territoires en deçà des Alpes, les nommant Gaule Cisalpine. Les Gaulois Saliens et Arvernes, alarmés par l'avancée romaine, aidèrent alors les Carthaginois d'Hannibal lors de son invasion de l'Italie. Mais la République romaine, bien qu'attaquée sur ses propres terres, était devenue une véritable machine de guerre. Elle contre-attaqua, battit les troupes d'Hannibal et effaça Carthage pour toujours. Puis, pour contrôler la Méditerranée, occupa la péninsule ibérique et la Grèce, s'arrêtant menaçante aux frontières de la Gaule. Les riches Gaulois Éduins, tout comme Marseille, préférèrent s'allier à Rome plutôt que la combattre. Les Saliens, au contraire, formèrent une coalition et attaquèrent Marseille. Rome, elle, n'attendait que ça. Ses légions passèrent alors les Alpes, écrasèrent la coalition gauloise et sur les territoires soumis fondèrent la Gaule Narbonnaise. Les troubles des Gaulois, cependant, n'étaient pas terminés. Des centaines de milliers de Germains Suèves, en envahissant la Gaule, poussaient les Helvètes à envahir les terres des Éduins, amis de Rome. Rome intervint encore, et c'est le proconsul Jules César qui fut chargé de la mission. À la tête de ses légions, César rentre donc en Gaule et bat les Helvètes. Puis il bat aussi les Suèves, s'installe sur les terres conquises et propose aux Gaulois de se joindre à la République romaine pour s'opposer ensemble aux incursions des Germains. Les Gaulois, préoccupés par la présence des troupes romaines sur leurs terres, refusèrent. Au contraire, ils appelèrent à l'aide les Belges, des Celtes germanisés. Mais César était invincible. Il bat même les Belges et, profitant des mésententes entre les Gaulois, il conquiert l'ensemble de la Gaule, la nommant Gaule Transalpine. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Mis de côté leurs anciens différends, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Et c'est un jeune chef arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et, assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le Terror Gallicum, mais à son retour à Rome, César est assassiné. S'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir, qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait couronner empereur par le Sénat. C'est l'Empire romain. Pour mieux contrôler la Gaule transalpine, Octavien Auguste la divise en Gaule lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Bien que prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter
la paix romaine. C'était une paix armée, mais la supériorité militaire de l'Empire permettait au commerce de se développer en toute tranquillité. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique et annexe les terres des Daces. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. Arrivant d'Asie, des hordes de Mongols Huns et de Turcs Alains dévastaient tout sur leur passage. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, refoulant les Goths vers la mer Noire, et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. C'est à nouveau le chaos. Les frontières de l'Empire sont renversées. Rome réagit alors. Ses troupes battent les Francs, les confinant au nord, puis elles battent aussi les Alamans, les repoussant vers le Rhin. Mais la situation n'est plus contrôlable. L'Empire romain est trop étendu pour être bien défendu. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien, et l'Empire romain d'Orient, avec Byzance pour capitale. Cependant, affaibli par les Germains, l'Empire romain d'Occident doit aussitôt abandonner l'île britannique aux Saxons. En Gaule, il recrute les Alains dans son armée et assigne aux Burgondes un large territoire en Gaule lyonnaise. Mais la pression des Huns d'Attila ne donnait pas de répit aux Germains. Les Suèves et les Vandales, refoulés en Gaule, la traversent pour enfin s'établir en Espagne et en Afrique, tandis que les Hérules, poussés en Italie, la saccage en déposant l'empereur romain d'Occident. Pour Rome, symbole de la chrétienté, c'était la fin. Mais Byzance s'oppose. Il s'accorde avec le prestigieux peuple des Goths qui transitait sur son empire et leur donne la tâche de libérer l'Italie. En échange, ils auront des territoires en Gaule. Les Goths se remirent donc en marche et, arrivés en Italie, ils écrasèrent les Hérules. Puis ils se divisèrent en deux peuples, les Visigoths, qui, joints aux dernières troupes romaines, vont chasser les Huns pour enfin s'installer en Aquitaine, et les Ostrogoths, qui occupèrent l'Italie, désobéissant aux ordres de Byzance. Tandis que les Huns, en fuite, poussaient les Slaves à envahir les plaines de l'Est, la Gaule, remplie de royaumes barbares qui se faisaient la guerre entre eux, devenait terre de conquête. Et c'est Childéric Ier, roi mérovingien des Francs Saliens, qui attaque en premier et annexe les territoires limitrophes. Son fils, Clovis, plus ambitieux, s'élance de Tournai pour conquérir l'ensemble de la Gaule. Les Francs étaient alors puissants. Clovis bat et annexe le dernier bastion romain en Gaule, bat les Burgondes et s'allie avec eux,
bat les Visigoths, les repoussant en Espagne. Puis il bat même les Alamans, étendant son royaume jusqu'à la Haute-Rhénanie. Enfin, conscient de la force d'union de l'Église, il se fait baptiser chrétien, obtenant le titre d'Auguste par le pape. Clovis, premier roi de l'ancienne France, établit sa capitale à Paris et ses fils annexent la Burgonde, mais leurs héritiers diviseront le pays en trois grands royaumes francs, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Tandis que les Byzantins chassaient les Ostrogoths de l'Italie, les Francs se battaient contre les Gascons, les Bretons, les Germains Lombards, et même entre eux, car Clotaire II de Neustrie annexa l'Austrasie. Sous Dagobert, dernier roi mérovingien, le royaume franc se reconstitua, quoique l'Aquitaine s'en détachât en proclamant son indépendance. En Espagne, le royaume Visigoth vivait son apogée, mais en France, la couronne des Francs devenait toujours plus faible. C'est la période des rois fainéants. Les maires du palais font les seigneurs et l'un d'entre eux, le duc d'Austrasie, Charles Martel, arrive même à enfermer le roi Childéric III dans un monastère. Puis il conquiert la Neustrie, la Bourgogne, les actuelles Autriche, Bavière et Pays-Bas, devenant le vassal le plus puissant du royaume franc. En Europe, entre-temps, un nouveau grand danger approche. Les armées d'une nouvelle fois, l'islam, après avoir conquis les possessions orientales de l'Empire byzantin, avance vers les Balkans. Mais ils sont repoussés par les Bulgares. Ils passent alors par l'Afrique, envahissent la péninsule ibérique et écrasent les Visigoths. Ce sont les musulmans. Ils seraient rentrés en France si le duc d'Aquitaine ne les avait combattus et si Charles Martel ne les avait pas arrêtés à Poitiers, les repoussant en Espagne. À Charles Martel succédèrent ses fils, Carloman et Pépin le Bref. Mais comme Carloman choisit la vie monastique, Pépin resta seul au pouvoir. Il déposa alors définitivement Childéric III et se proclama roi des Francs à sa place. Mais sa couronne n'était pas légitime. Il avait besoin de l'Église. Et l'occasion se présenta avec une invasion des Lombards à Rome. Le pape Étienne II appelle à l'aide Pépin le Bref, qui rentre alors en Italie et bat les Lombards. En récompense, il est sacré unique et légitime roi des Francs. Pépin le Bref, à son apogée, chasse les musulmans de la Septimanie et reconquiert l'Aquitaine, laissant à ses fils Carloman et Charlemagne un royaume franc étendu et puissant. Mais Carloman meurt. Charlemagne s'empare alors de ses territoires et, roi guerrier, repousse les musulmans du nord de l'Espagne,
conquiert l'Italie du Nord et annexe les pays germains. Enfin, se posant en défenseur de l'Église, il donne au pape la Corse et des possessions dans le centre de l'Italie permettant la création des États pontificaux. Il est alors sacré empereur romain d'Occident avec toutes les magnificences et les titres de l'ancienne Rome. Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle et fut le souverain le plus puissant de l'Europe médiévale, mais son énorme empire, morcelé en une multitude de principautés avec coutumes et langues différentes, était difficile à unifier. Au traité de Verdun, il sera donc partagé entre les trois petits-fils de Charlemagne. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, qui est l'ancienne France. Lothaire Ier, à qui échoit le titre impérial, reçoit la Francie médiane, qui sera la Lotharingie. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, appelée Germanie, qui est l'ancienne Allemagne. Mais un grand danger arrive de la Scandinavie. Les Vikings normands, après avoir dévasté les îles britanniques, débarquent par la Seine, ravageant tout jusqu'à Paris. Au lieu de les combattre, le roi de Francie, Charles le Chauve, paye les Normands pour qu'ils repartent. Mais ils restent. De cette faiblesse de Charles le Chauve, le comte breton Nominoé profite alors. Il bat les Francs, leur enlève des territoires et se proclame roi de Bretagne. À la mort des trois frères souverains, le fils de Louis le Germanique, Charles le Gros, hérite de la Germanie et de la Francie, tandis que les trois fils de Lothaire héritent de la Lotharingie, la divisant en Lorraine, Bourgogne et Italie. Charles le Gros, roi de Germanie et de Francie, séparé par la seule Lotharingie, avait l'ambition de reconstituer l'empire de Charlemagne. Il permit donc aux Normands de saccager la Bourgogne qui réclamait l'indépendance. Cela provoque, au contraire, une terrible colère des nobles francs. Charles le Gros est alors destitué et Arnulf de Carinthie est élu roi de Germanie. Eudes Ier, marquis de Neustrie, est élu roi de Francie en attendant que Charles le Simple devienne majeur et Rodolphe Ier, libéré des Normands, se proclame roi de Bourgogne. Charles le Simple, devenu roi de Francie, préféra négocier avec les Normands qui pillaient son territoire. Sous la promesse qu'ils cessent leur raid, il leur donna même un duché. Mais les Normands, bien qu'ils se soient fait baptiser et qu'ils jurèrent obéissance en tant que vassaux de Francie, saccagèrent l'Anjou. Le comte Robert d'Anjou se rebella alors, accusa Charles le Simple de faiblesse et le battit, se proclamant roi de Francie à sa place. Mais Charles le Simple contre-attaqua et reprit le royaume. Son fils, Louis IV d'Outre-mer, eut des ambitions de conquête. Il tenta d'annexer la Lorraine, mais fut battu par les Germains et perdit Reims. Il tenta alors de conquérir la Normandie, mais fut capturé par les Normands et, une fois libéré, il dut même se protéger des Bourguignons. Son fils, Lothaire, hérita donc d'une couronne de France instable.
Des vassaux plus puissants que le roi menaçaient le trône et dans leur fief, ils imposaient les institutions féodales et les impôts à leurs paysans. Dans les pays slaves, entre-temps, les États de Pologne et de Tchéquie, à peine nés, étaient ravagés par un peuple provenant d'Oural, les Hongrois, qui arrivèrent même à piller les terres des Germains. Mais Othon Ier, le très puissant roi de Germanie, avait des ambitions impériales. Il battit les Hongrois et stoppa leurs incursions, fondant le marquisat d'Autriche. Puis il envahit la Bourgogne et l'Italie, rentrant triomphant dans Rome. Le pape, toujours en quête de protecteur, le couronna alors empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est le Premier Reich. En Francie, la lutte pour le trône était terminée. Les nobles avaient écarté Lothaire et élu à sa place le comte de Paris, Hugues Capet. Mais son domaine royal, au cœur de l'Île-de-France, était trop petit. Ce qui relança les esprits de conquête. Les Bretons annexent le comté de Nantes. Le comte d'Angers enlève Tours au comte de Blois. Le duc d'Aquitaine annexe le sud de la Francie. Les Byzantins prennent la Bulgarie. Et les Normands occupent le sud de l'Italie. En Francie, dévasté par les batailles, le peuple n'en peut plus. L'Église trouve alors le moyen de réunir les seigneurs et de leur faire jurer la paix. C'est la paix de Dieu. Mais Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et vassal de Francie, malgré la base morale de la société médiévale à peine fondée, s'empare de l'île britannique et se proclame roi d'Angleterre. La violence reprend. Guillaume le Conquérant est repoussé d'Irlande. Les comtes d'Anjou annexent les pays de la Loire. Les comtes de Toulouse et d'Aragon se partagent la Provence et l'évêché d'Avignon déclare son indépendance. Les musulmans, chassés de la Méditerranée par Gênes, Pise, sont battus aussi par les Espagnols et les Portugais, tandis que les Roumains sont repoussés par les Byzantins. Déjà un nouveau grand danger menace la Francie. Le comte d'Anjou, Henri II, possesseur de Normandie, Bretagne et Aquitaine, avait hérité du royaume d'Angleterre. Et depuis son énorme empire plantagenet, il défiait la Francie. Philippe Auguste, le jeune roi de Francie, avait cependant les idées claires. Bien qu'âgé seulement de 15 ans, il voulait absolument s'imposer sur ses grands seigneurs qui menaçait sa couronne. Il dompta alors la rébellion des Flandres et repoussa les attaques des Anglais. Mais devenu ami du fils d'Henri II d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, une paix fut négociée. À cette époque, le pape Grégoire VIII, préoccupé par le sort de Jérusalem aux mains des musulmans, avait appelé les nobles chrétiens aux croisades. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partirent donc ensemble pour libérer la Terre Sainte, mais leur amitié se transforma en rivalité.
À la mort de Richard Cœur de Lion, son frère Jean Santerre s'allie aux Germaniques et attaque la Francie. Philippe Auguste, roi magnifique, contre-attaque. Il récupère la Normandie, bat les Anglais à Bouvines et confisque à Jean Santerre ses possessions en Francie, faisant comprendre à ses vassaux que leurs ambitions ne sont plus acceptées. Sous Philippe Auguste, la Francie, devenue la France, est la nation la plus riche, la plus peuplée, la plus puissante d'Europe. Le fils de Philippe Auguste, Louis VIII, le Lion, y joint le Languedoc, des hérétiques cathares, profitant de la croisade contre les Albigeois. Et son fils, Louis IX, connu comme Saint-Louis pour sa sagesse et ses valeurs morales, continue les croisades et développe la justice. En Italie, les conflits provoquent l'appel au secours du pape français Urbain IV à la France. Louis IX répondit alors promptement. Il envoya une puissante armée, commandée par son frère, Charles d'Anjou. Mais ces cruautés provoquèrent la révolte des Vêpres siciliennes, le massacre de ses hommes et son expulsion d'Italie par les Espagnols d'Aragon. Le nouveau roi de France, Philippe le Bel, en conflit avec l'Empire germanique et l'Angleterre, modernisa sa politique avec l'institution des États généraux. Il réunissait la noblesse, le clergé et la bourgeoisie qu'il consultait. Rentré en conflit avec le pape, il institua une papauté à Avignon, faisant naître un grand schisme entre la papauté de Rome et la papauté d'Avignon. Philippe le Bel, roi innovateur, ne laissa pas d'héritier. Le trône de France passa alors à Philippe VI de la famille cadette des Valois. Cela provoqua une terrible colère d'Édouard III, le roi d'Angleterre, qui prétendait à la couronne de France en tant que petit-fils de Philippe le Bel. C'est le prélude de la guerre de Cent Ans. L'armée anglaise attaque la France et, n'obéissant pas aux règles chevaleresques, inflige à Philippe VI de cuisantes défaites. Et tandis que l'Autriche héritait du Saint-Empire romain germanique et que la Suisse proclamait son indépendance, en France, le nouveau roi, Charles V, héritait, lui, d'une situation difficile. Les conflits avec les Anglais secouaient le pays. De plus, la peste noire avait tué un tiers de la population et la Bretagne s'était alliée aux Anglais. Pourtant, roi courageux, Charles V reconquiert la plupart des territoires perdus et rétablit l'ordre. Mais quand son successeur, Charles VI, est frappé par la folie, le trône vacille. La couronne de France redevient l'objet de convoitise. S'ouvre alors une terrible lutte pour le pouvoir entre les Armagnacs, au soutien de Louis d'Orléans, frère du roi, et les Bourguignons, au soutien de Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, qui avait élargi son duché en héritant des Flandres. Jean Sans Peur avait l'ambition de reconstituer
l'ancienne Lotharingie. Il fit donc assassiner Louis d'Orléans et rentra dans Paris en armes. Mais lui aussi fut assassiné et la guerre civile plongea le pays dans le chaos. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, voulut alors donner le coup de grâce à la France. Il l'envahit, battit le dauphin Charles VII, qui s'était échappé de Paris et signa avec les Bourguignons un traité dans lequel son fils Henri VI était déclaré unique héritier à la couronne de France. Tout était perdu. La France devenait anglaise. Mais Jeanne d'Arc, dans une ardeur patriotique suivie par le peuple, libère Orléans des Anglais et persuade le dauphin Charles VII de se faire sacrer lui aussi roi de France à Reims. Charles VII reprend alors courage. Il signe une paix avec le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il regagne militairement la Normandie et avec la capitulation de Bordeaux, il chasse définitivement les Anglais de la France, mettant fin à la guerre de Cent Ans. Mais les conflits avec la Bourgogne perdurent. En France, à Charles VII succède Louis XI. Et en Bourgogne, à Philippe le Bon succède Charles le Téméraire, ce qui relance les combats. Charles le Téméraire, pas Louis XI, prend la principauté de Liège, s'allie au Luxembourg, achète une part de l'Alsace à l'Autriche et envahit la Lorraine. Mais il est tué par les Lorrains. Louis XI annexe alors la Bourgogne et la Provence, rétablissant l'ordre à partir de Tours. À l'est de l'Europe, entre-temps, le peuple des Turcs avait embrassé l'islam. Devenus musulmans, ils avaient effacé l'Empire byzantin et envahi la Bulgarie et la Roumanie. En Espagne, par contre, les musulmans sont définitivement chassés par les rois qui, unifiant leur royaume, avaient achevé la Reconquista. En France, sous le règne de Charles VIII, la situation est redevenue paisible. La Bretagne s'est jointe au royaume, les principautés sont obéissantes, les impôts sont diminués, la justice s'améliore, les commerces, les richesses et la population augmentent et sous l'influence des artistes italiens, la Renaissance française commence. Pour s'assurer la paix, Charles VIII signe des traités avec Henri VII d'Angleterre, avec l'empereur Maximilien Ier d'Autriche et avec Ferdinand II d'Aragon qui avait commencé les grandes navigations de découverte avec Christophe Colomb. Mais quand Charles VIII envahit l'Italie en réclamant son héritage, le royaume de Naples, il est battu par les armées de Venise et de la Sainte Ligue du pape Jules II. Les Suisses, entre-temps, avaient envahi la Lombardie et l'Empire d'Autriche avait annexé la Lorraine. À la mort du pape Jules II, la Sainte Ligue s'affaiblit. François Ier, devenu roi de France, put alors battre les Suisses et se partager le nord de l'Italie avec Venise.
dans l'Empire d'Autriche, la réforme anime les esprits. Martin Luther met en question l'Église et proteste contre l'avidité des papes. Mais il est aussitôt mis au ban par le très catholique Charles Quint d'Habsbourg. Charles Quint, héritier de l'Empire d'Autriche et d'Espagne, réprima durement l'indépendance des riches provinces du Nord et assimila même des territoires français. François Ier répondit alors en envahissant le royaume de Naples, mais il fut fait prisonnier. Il se libéra et tenta une deuxième invasion de l'Italie sans y parvenir. Il repoussa alors une tentative d'invasion de la France par Charles Quint, qui entre-temps s'était partagé la Hongrie avec les Turcs. En Pologne, le royaume s'étendait en héritant de la Lituanie et de la Bohême. En Angleterre, le roi Henri VIII se proclamait chef suprême de l'Église anglicane, se détachant de l'Église de Rome. En France, le roi Henri II gagne une part de la Lorraine, mais en Italie, il est battu par Charles Quint, l'empereur des territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. Pourtant, Charles Quint abdique et son énorme empire est divisé en deux. Son frère, Ferdinand Ier, hérite de la couronne impériale d'Autriche. Son fils, Philippe II, hérite de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Ferdinand Ier annexe aussitôt la Bohême. En France, la sévère réforme protestante de Jean Calvin avançait. À Paris, la nuit de la Saint-Barthélemy, la dure réaction des catholiques avait provoqué le massacre de 3000 protestants huguenots. C'était la guerre civile. En Espagne, Philippe II s'empare du Portugal et de ses colonies. Mais quand il envoie son invincible armada pour envahir l'Angleterre, il subit une désastreuse défaite. Les Pays-Bas en profitent alors pour se libérer de la domination espagnole. Ils s'unifient en République des Provinces Unies et commencent leur expansion coloniale. En France, Henri III avait désigné un héritier protestant, son cousin Henri de Bourbon, qui prit le nom d'Henri IV. Et Paris, catholique depuis toujours, ne voulait pas de roi protestant. Alors Henri IV s'exclama « Paris vaut bien une messe !» abjura la confession protestante et, avec l'édit de Nantes, donna la liberté de culte à tous les citoyens. La France pacifiée, Henri IV commença les grandes navigations françaises. L'Amérique, les Indes, Madagascar et le Moyen-Orient sont explorés. Son fils, Louis XIII, colonise la Guadeloupe et la Martinique. Et sur les conseils de son ministre, le cardinal de Richelieu, il poursuit les combats contre l'Angleterre, l'Espagne et l'Autriche. Mais quand à Richelieu succède le cardinal Mazarin, malgré les oppositions du Parlement et des nobles, la monarchie absolue, avec Louis XIV, le roi soleil, est instaurée.
La France devient alors la première puissance militaire et culturelle d'Europe. La politique économique de Colbert renforce les finances. Vauban fortifie les frontières. L'Alsace et la Franche-Comté sont annexés. Haïti est pris aux Anglais et des colonies se forment en Louisiane où la Nouvelle-Orléans est fondée. Mais les frais des colonies et des guerres, ajoutés au faste de la cour et à la construction de Versailles, dépouillent les finances de l'État. Le peuple, affamé, proteste. Louis XIV le réprime alors sans pitié. Il ne convoque plus les États généraux, révoque la liberté de culte et pour affirmer sa supériorité militaire, il déclare la guerre à l'Angleterre. Il se retrouve face à une coalition réunissant l'Angleterre, les Provinces unies, l'Espagne, la Suède, la Savoie et l'Empire d'Autriche qui avait enlevé la Hongrie aux Turcs. À cette époque, le Portugal avait repris son indépendance à l'Espagne. L'Angleterre, dotée d'une puissante marine qui dominait les mers, était devenu le Royaume-Uni, fusionnant l'Écosse sous Anne Stuart, avant qu'une révolution pacifique, la glorieuse révolution anglaise, ne renverse les Stuart. Le Parlement anglais institue alors une monarchie constitutionnelle, mettant fin au pouvoir des souverains, les reléguant aux seules cérémonies officielles. En France, le pouvoir du roi Louis XV reste entier. La paix et la prospérité reviennent et la Lorraine est pacifiquement intégrée. Mais quand Louis XV achète la Corse à Gênes, il rencontre l'opposition du général Pascal Paoli. Paoli avait établi une constitution qui donnait le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes. Néanmoins, il fut soumis par Louis XV qui assimila la Corse à la France. Et comme le Royaume-Uni avait gagné des territoires français aux Indes et en Amérique du Nord, le nouveau roi de France, Louis XVI, aida les insurgés américains dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais. Dans l'est de l'Europe, les puissances naissantes de Prusse et de Russie s'étaient partagé la Pologne avec l'Empire d'Autriche, qui avait même intégré le Luxembourg et les Pays-Bas. En France, les idées de la Révolution anglaise avaient animé un mouvement intellectuel et scientifique, les Lumières. La providence de Dieu était remise en question à la lumière de l'esprit critique et le rôle du roi et de l'État était contesté. Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau et d'autres hommes de culture demandaient des réformes. Louis XVI était un souverain modéré. Il permit l'opposition, restaura la tolérance envers les protestants et rendit les impôts plus égalitaires. Devant le refus des nobles et de l'Église de payer une taxe sur leurs possessions, il ira jusqu'à restaurer les États généraux. Mais le tiers-État, composé par les représentants du peuple, n'acceptait plus ses anciens ordres privilégiés. Se retirant des États généraux, le peuple français exigeait une nouvelle constitution avec des réformes encore plus radicales que celles du roi. Les privilégiés s'opposèrent encore et le 14 juillet 1789 sonna leur fin. Le gouverneur de Paris est tué, le peuple prend la Bastille, le roi Louis XVI et sa famille sont arrêtés. C'est la Révolution française. Les droits de l'homme et du citoyen sont déclarés, provoquant la fuite précipitée de tous les privilégiés.
et même de Louis XVI. Mais il est capturé et guillotiné, ainsi que la reine Marie-Antoinette. La monarchie est alors abolie et la première République française est déclarée. Cependant, malgré la déclaration des droits de l'homme, les Jacobins de Robespierre instaurent le régime de la terreur. 18 000 personnes opposées à la Révolution seront guillotinées. Indigné, l'empereur d'Autriche Léopold II et le roi de Prusse Guillaume II déclarent alors la guerre à la République française. De plus, à Paris, la situation s'aggrave. La brutalité de la terreur avait provoqué des vengeances. Robespierre lui-même avait été guillotiné. Dans ce désordre politique, le général Napoléon Bonaparte prend les pleins pouvoirs par un coup d'État qui instaure le consulat. Contre-attaque la coalition anti-française et la bat. Acclamé pour ses victoires éclatantes, Napoléon est alors couronné empereur des Français. C'est le premier empire. Napoléon continue ses conquêtes et bat la Prusse, permettant à la Pologne de se recréer. Puis il annexe les Pays-Bas. La Suisse et l'Italie, mettant fin aux dernières entités autonomes. Enfin, il bat les Espagnols et installe son frère Joseph comme roi d'Espagne. Apprenant que la Russie avait annexé la Finlande et la Roumanie et qu'elle préparait l'invasion de la Pologne, Napoléon attaque aussi la Russie. Mais il ne trouve que des terres brûlées par ces mêmes Russes. Et sans ressources alimentaires, les troupes françaises doivent se retirer. De surcroît, les Français sont chassés d'Espagne et Napoléon est battu à Leipzig par la coalition anti-française. Il est alors contraint à l'exil, mais il s'échappe. Il regroupe ses anciennes armées et réattaque la coalition. Définitivement battu à Waterloo, il meurt prisonnier à l'île de Sainte-Hélène. C'est la fin du Premier Empire. Au Congrès de Vienne, les nations occupées récupèrent leurs anciens territoires. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg se déclarent indépendants. En France, la monarchie revient avec Louis XVIII qui sera sage et prudent. Mais son successeur, Charles X, veut un retour radical au passé. Il restaure la monarchie absolue et attaque l'Algérie. Et tandis que la Grèce se libère des Turcs en instaurant la monarchie et que la Pologne est repartagée entre la Prusse et la Russie, en France, le tiers-État se rebelle encore. Charles X doit abdiquer et c'est Louis-Philippe d'Orléans qui lui succède. Sous son règne, la Côte d'Ivoire, la Polynésie et l'Algérie sont conquises. Avec le soutien de la haute bourgeoisie libérale, l'industrialisation de la France commence. Mais la corruption, la crise économique et l'exploitation des ouvriers provoquent des contestations. Louis-Philippe les réprime alors si cruellement qu'il fait éclater une dernière et décisive révolution. La monarchie française est alors effacée et la Seconde République française est déclarée.
Son président est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon. Mais son pouvoir, partagé avec l'Assemblée nationale, est limité. Alors, par un coup d'État, Louis-Napoléon prend les pleins pouvoirs et se déclare empereur de France sous le nom de Napoléon III. C'est le Second Empire. Napoléon III signe avec le Royaume-Uni un traité de libre-échange commercial et aide le naissant royaume d'Italie de Victor Emmanuel II en obtenant en échange Nice et la Savoie. Mais quand il exige des compensations territoriales en échange de sa neutralité lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, le roi de Prusse, Guillaume Ier, qui avait battu l'Autriche, créant l'Empire d'Allemagne, refuse. Alors Napoléon III lui déclare la guerre. Mais il est battu et doit même céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. L'Empire aboli. La Troisième République française est alors proclamée. La paix avec l'Allemagne est signée et un protectorat sur la Tunisie est établi. Finalement, les innovations culturelles, les divertissements populaires et les nouvelles formes d'art françaises peuvent s'exprimer. C'est la Belle Époque. À l'Exposition universelle de Paris, la Tour Eiffel, symbole de la France moderne, est inaugurée. Cependant, une grande guerre se prépare. La Roumanie a pris son indépendance vis-à-vis de la Russie. Mais la Serbie et la Bulgarie, après avoir chassé les Turcs, se déclarent la guerre, se disputant la Macédoine. Se forment alors deux coalitions. La Serbie, alliée à la Russie, à la Roumanie, à la Grèce, au Portugal, au Royaume-Uni, à la France et à l'Italie, contre la Bulgarie, alliée à l'Autriche, à l'Allemagne et à la Turquie. C'est la Première Guerre mondiale. L'Allemagne commence ses hostilités, elle envahit la Belgique et le Luxembourg, arrivant près de Paris. Mais soudain, tout change. L'Autriche sort de la guerre. Une défaite militaire et une révolution ayant aboli sa monarchie, la première république autrichienne est proclamée. Une révolution éclate aussi en Allemagne. L'empereur est obligé d'abdiquer et la première république allemande, coupée en deux entités territoriales, est proclamée. C'est la fin de la guerre. La République française récupère l'Alsace et la Lorraine. La Serbie devient royaume de Yougoslavie. En Russie, une révolution élimine le tsar et l'Union des républiques soviétiques est proclamée, ce qui permet à la Pologne de renaître, tout comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Au Royaume-Uni, l'Irlande prend son indépendance. Dans toute l'Europe, des coups d'État militaires installent des dictateurs. En Espagne, le général Franco prend le pouvoir. Au Portugal, une dictature militaire interdit le Parti communiste. En Italie, Mussolini établit la dictature fasciste. En Allemagne, Hitler élimine toute opposition et se proclame Führer. La Seconde Guerre mondiale éclate. L'Allemagne nazie intègre l'Autriche. Puis elle envahit la Tchécoslovaquie, la Pologne,
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et même la France, l'occupant en grande partie. Il ne reste de libre que la France de Vichy, confiée au maréchal Pétain, un collaborationniste avec les nazis. Tout était de nouveau perdu. La France devenait allemande. Mais la résistance se prépare. Le général Charles de Gaulle, depuis Radio Londres, se déclare chef légitime du gouvernement français en exil et appelle les Français au sentiment national. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. L'armée libre de France se constitue alors et plusieurs unités navales et aériennes la rejoignent. Cela provoque la répression de Pétain et l'occupation de la France entière par les nazis. Hitler, entre-temps, allié à l'Italie et au Japon, a envahi la totalité de l'Europe et attaqué l'immense Union soviétique. Mais il est battu par les communistes de Staline qui avancent, établissant leur régime sur les pays assujettis. Pour les nazis, c'est la déroute, car les armées alliées du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada ont débarqué en Italie et en Normandie. Et jointes aux 26 000 hommes du général de Gaulle, elles libèrent la France. Hitler ordonne alors la destruction des ponts de Paris, mais heureusement, avant de s'enfuir, le gouverneur allemand refuse. Et le général de Gaulle, acclamé par la foule, peut rentrer dans Paris intact. L'Allemagne capitule, et quand les Américains lancent la bombe atomique sur le Japon, allié aux nazis, les conflits cessent définitivement. C'est la paix. L'Union soviétique absorbe la Tchéquie. La France proclame sa divisée. Le traité de Yalta entre les deux puissances victorieuses, les États-Unis et la Russie, a partagé l'Europe en deux blocs opposés. Dans le bloc occidental, sous l'influence américaine, certains pays signent l'accord de l'OTAN pour se protéger contre d'éventuelles agressions soviétiques. Dans le bloc oriental, sous l'influence soviétique, certains pays signent le pacte de Varsovie pour se protéger des Américains. C'est la guerre froide. L'Europe, cependant, en a assez des conflits. Ces nations songent à une solution qui les mettrait à l'abri de nouvelles guerres. Le ministre français, Schuman, a alors l'idée de mettre les industries liées aux armements sous le contrôle réciproque des deux principaux producteurs de fer et de charbon, la France et l'Allemagne. Et au traité de Rome, la Communauté économique européenne est créée. Son but est le rapprochement économique et la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre les pays membres. Les signataires en sont la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La France, entre-temps, a perdu plusieurs de ses colonies. C'est le général de Gaulle qui est alors chargé de redresser le sort du pays. Nommé président de la 5e République française, de Gaulle demande aussitôt au Royaume-Uni et aux États-Unis le partage du commandement de l'OTAN. Mais il refuse. Alors de Gaulle retire la France de l'OTAN, expulse les installations d'armes nucléaires américaines du territoire français et munit la France de l'arme atomique, la rendant première puissance militaire nucléaire d'Europe. Dans le bloc occidental, la communauté économique européenne s'élargit.
avec l'adhésion de l'Irlande, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne, elle devient l'Union européenne. Un changement politique met fin au régime communiste de l'Union soviétique. Les pays sous son emprise reprennent leur indépendance et l'Allemagne abat le mur de Berlin, se réunifiant en un seul pays. Avec l'adhésion de la Finlande, l'Autriche, la Suède, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte, Chypre et enfin de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Union européenne s'élargit encore et devient l'actuelle Europe des 27. Nous en sommes donc maintenant à nos jours. La France, cinquième puissance économique mondiale, conserve des territoires d'outre-mer. Elle a réintégré l'OTAN pour soutenir la coopération entre tous les pays du monde. Elle participe à la guerre du Golfe contre l'Irak, à l'indépendance du Kosovo et envoie même des troupes en Afghanistan pour lutter contre le régime taliban. Cependant, elle refuse de rejoindre la coalition pour l'occupation de l'Irak. Mais elle participe à l'intervention en Libye au sein de l'OTAN. Voilà donc la grande histoire de la France, le pays le plus ancien de l'Union européenne. Sur sa terre millénaire, les premiers chefs-d'œuvre de l'homme sont apparus. Sous son influence, des grandes nations comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie sont nées. Grâce à sa culture, le monde a connu le sens de la liberté, de l'égalité et de l'art de vivre français.